Il devrait pas tarder. D'ailleurs, il devra arriver dans 3, 2, 1. Oui. Vas-y, je te laisse 2 secondes. Putain, mais... Mais je dois rêver. Ça peut le devenir, mais assis-toi, faut qu'on règle 2-3 trucs ensemble, ok? Bon, ça y est, tu commences à comprendre? On est d'accord que toi, t'es moi en fait. Je suis ta CIDN, ta conscience issue de données personnelles. Cool. Cool. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Cool, cool, cool. C'est cool. Tout est. C'est carré. Bon, je sais très bien que t'as pas capté. Je t'explique. Avant, on pensait à Internet comme ça. Un gros ordinateur qui gère tous les flux avec une faible marge de manœuvre individuelle. L'idée est donc toujours de tirer le plus d'un seul individu. Bah, il a été décidé de créer, dans les gros ordinateurs, des plus petits, qui s'occupent alors des cas individuels. Et pour comprendre totalement l'individu qu'il gère, les programmes calquent la personnalité sur l'individu. Et moi, je te gère. T'es là pour me rentabiliser, en gros. Ouais, finalement, c'est utile, toutes les vidéos de complotistes que tu regardes. Bref, tout ça pour dire que c'est moi qui choisis quel pub tu vois sur Insta, YouTube, et également quel sera le prochain TikTok qui va te faire marrer. Donc bon, gère un peu ta vie, quoi. Après, calme-toi, hein, parce que les pubs que tu me donnes, elles sont éclatées. J'ai pas si t'es au courant, faut que tu fasses quelque chose. Tu cliques jamais dessus parce que t'as pas de thune, je le sais, c'est pour ça que je suis là d'abord. Putain, t'es là pour me filer de la thune. Mais t'es con ou quoi? Je vais pas faire... je fais pas du bénévolat, hein. T'es pas rentable, je suis plus mis à jour, c'est tout. Bah, pourquoi t'es là alors? Faut que tu décides pour ton avenir en fait. Il te faut un job, moi ça m'arrangerait. Ah ouais, bah, j'y avais pas pensé. On sait tous les deux que t'as pas appelé la conseillère et que t'es déscolarisé depuis 1 an, même ta mère te supporte pas. Tu m'as même obligé à prendre un corps pour venir te convaincre? Ah, toi t'as capté que les pubs d'orientation que tu m'envoies, hein, avec les écoles, tout ça, bah, je clique pas dessus, quoi. Même, c'est quoi ce corps? T'es pas censé genre être un robot, un ordinateur? Bah la plus belle machine, ça reste l'humain, donc voilà, c'est du 99% semblable au tien. Même le système nerveux, c'était galère, mais on a réussi, donc bon. J'en profite avant qu'il capte que t'es pas rentable et que j'ai plus le droit d'en prendre un. Bah arrête de faire l'ordi malheureux avec moi, vas-y. Balance ton plan sur mon avenir plutôt, là ça m'intéresse. Bah t'as le choix entre plein de métiers. Genre médecin, ingénieur... Avocat? Mais encore, t'as pas d'autres trucs? C'est grave limité ça, en plus c'est grave dur. Bah écoute, c'est déjà pas mal, oh non mais oh, ouais. T'as perdu 1 an de ta vigne, j'ai perdu 1 an de la mienne, il est temps que tu te défonces maintenant, non? Ah d'accord, donc le prix pour connaître tout le système des ordis qui contrôlent le monde, tout ça, c'est juste que je fasse des études super dures. Ok, bah... C'est cool. T'as pas compris. Écoute, tout ça là, ça va être comme un rêve pour toi. Je vais te flasher avec la technologie de mon téléphone. Tu te rappelleras juste que tu veux devenir avocat ou ingé, tu vois, et mon job, ça sera fait. Tu seras enfin rentable, quoi. Ah, comme dans Men in Black. Des fois, je sais même pas si c'est pas nous qui avons inspiré le film. Y a pas un problème de date dans ce que tu dis? Bon, écoute, j'ai plus le temps, ok? Je pense que les infos clés, ils ont été passées. Façon, l'appli, elle va faire son job. Et pour les 3 métiers, voilà, ça va te revenir en tête. Et moi, j'aurais réussi, ok? Donc maintenant, si tu me laisses juste 2 secondes te flasher, et c'est fini. Ouais, j'attends. Non, wesh, t'es un ouf. Laisse-moi profiter un peu, je rencontre mon double, quasiment, oui. Puis fais voir ton tel, là, on dirait l'iPhone 13, elle a l'air trop stylé. Vas-y, montre, c'est une exclu, non? Allez, pose à moi. J'avoue,
Ok, c'est le prochain iPhone, mais vas-y. Bon, de toute façon, tu te rappelleras de rien. Vas-y, c'est un petit cadeau, tiens. De toi à moi, enfin de toi à moi, de toi à toi, de. Tiens. Voilà, tu le regardes, tout ça, t'as vu le nouveau design, il est plutôt sympa. Hein. Bon, après, tu pourras rien en faire, il y a la reconnaissance faciale. Bon, c'est bon, t'as vu, tu me le rends, voilà. Ouais, maman. Ouais, c'est moi. Non, j'ai changé de téléphone. Ouais, j'ai. Ah, je sais pas, je viens de me réveiller, j'ai deux, trois idées pour. Ouais, faudrait que j'appelle la conseillère. Faudrait que j'appelle la conseillère, que je lui en parle. Mais c'était pour savoir si t'avais son numéro, justement.